Ouais poteau, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Hey, je veux que ma mère soit. Ça va hermano? Attends, c'est qui là? Putain, je croyais que c'était toi qui claque ça. C'est moi, c'est Miguel. Oh putain. Ouais Miguel, ouais, comment tu vas? Il est où? Il est où Ja? Qui ça? Ja. Attends, je sais pas. Attends, j'ai crié, peut-être que ça se trouve, il est en train de dormir. Ouais, Ja. Et avance là, avance. Comment ouais, ça ouais, avance, tout putain madré la reine des putains toi. Avance. Comment ça avance? Ouais, il est pas là. Mais avance. Mais pourquoi avance? Tu bloques la route là. Parce que tu recules. Mais passe à gauche, connard. Mais passe à droite, connard. Mais je suis sur le trottoir. Mais faut que tu roules à droite. Tu es qui? Tu es une Crips? Mais non, c'est Ghost, enfoiré. Ah, ça va, Ghost. Ouais, tranquille. Je croyais que c'était une Crips qui allait me soulever. Il y avait le pied sur l'accélérateur. Qu'est-ce que tu fais ici, Crips? C'est pas ton territoire. Non, non, tu connais, là. Ça fait longtemps qu'on tourne, on cherche des H-blocs et on en voit pas, là. Ah oui, c'est vrai? Toi, avec une chica? C'est qui, cette chica? Bonjour, madame. Salut. Ah, bonjour, madame. Qui êtes-vous? Je m'appelle... Je vous reconnais pas avec Big votre Z. Masque. Big Z. Big Z, ouais. Tu es une gangster? Ouais. Ah, d'accord. Quoi, on se connaît? Ben non, il sait, ben non, il sait pas, il te reconnaît pas, toi, le masque. Bah, ouais, si, si, ouais, ouais. Eh oui. T'as un masque, ouais. Vu que tu as un masque, je ne peux pas te reconnaître, c'est bah logique. Ouais, c'est... Du coup, c'est Big Z, ça va? Oui, tu es Big Z parce que tu es grosse? Non. Ah, et pourquoi alors? Bah, parce que... Parce que c'est une big gangster. Je suis une big gangster. Voilà, exactement. D'accord. Big Z, t'as vu? Big gangster. C'est quoi, t'as ton petit nom à toi, là? Moi, c'est Miguel. Lui, c'est Miguel. Big M. Mais là, les Crips, ils sont en deuil parce qu'on en a tué un de chez eux, il est mort. Mais non. Oui, on l'a niqué sa mère. Eh, c'est vrai! Il vient crier dans leur quartier, il est complètement malade. Ah, il y a un mort chez eux. Oui, oui, regarde. Je vous baisse tous, les Crips! Vous êtes toutes mes putains! Ouais, moi je prends Crips. Ah, ben voilà. Ben toi, il te baisse pas alors. Ah, ok, bah ok. Bah, tant mieux alors. Putain, incroyable. Eh oui! Bon, ça dit quoi sinon, toi? Bah, ça dit fur et toi? Bah ça dit quoi hein? Si toi tu dis fur, moi je dis quoi hein? Fur. Y a des mecs du Bronx. Pourquoi vous cherchez les S-Blocks? Pour leur baiser leur mère. Ah, pourquoi ils t'ont fait quoi? Ils sont fait drive-by hier ces petits bâtards. Ça a tiré hein. Ah ça tire. Ouah. Vas-y go. Ça se trouve, allez on y va. Ça se trouve c'est les H qui sont venus descendre ici là. Vas-y go. Merde et moi. Allez-y, je vous suis! Perdu dans le bloc, je dois rentabiliser un litre en argent, rentabiliser! Attends, les Blues, ils veulent me tuer, moi. Ouais, ils vont tuer personne, je te le dis, moi. Ah oui, vas-y, va le dire. Quoi? Va le dire qu'ils me tuent pas, s'il te plaît. Parce qu'ils veulent vraiment me tuer à cause des voitures, hein. Ah ouais? Ah vraiment, ils sont vraiment énervés, hein. Ah, ils sont vraiment, vraiment... Ah, ils veulent me niquer ma mère, hein. Regarde, ils sortent une fumigène. Les Blues! Ouais, y'a quoi? C'est chez vous que ça a tiré là? Non, chez nous ça a pas tiré. Il est où Seth? Il est pas là. Ça va Seven? Non, ça va pas. Toujours une petite puta? Tu changes pas? Vous faites quoi vous? Comment ça on fait quoi nous? Ah, mais c'est les. Ah, ok. Ah, tu viens tout seul toi? Oui, tout seul, comme un grand. Tu veux quoi? Bah, rien, il a fait mon petit tour. Tu veux de la cam? Vous avez des belles voitures hein? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Non mais c'est vrai, ça fait plaisir. Vous les avez rachetés? Non, même pas, on nous les a donnés. Ah et oui? Toi, t'as une belle voiture là. La charité. Vous êtes des clochards. Ouais. Ah okay.
Non mais non mais non mais ouais. Je suis sous la protection de Ghost. Tranquille. Il a dit si jamais vous me touchez, il vous nique vos mères. Ah ouais? Ouais, j'ai pas dit vos mères, j'ai dit vos grand-mères. Ah ouais, tu vois, il dit de la merde des fois. Okay, ah, qu'est-ce qu'il faut, Ghost? Tu fais moi le malin maintenant. Tranquille. Hein. Tu fais moi le malin devant Ghost, mange merde. Qu'est-ce que je voulais dire là? Apparemment là, c'est chaud en ce moment, vous êtes chaud là. Ça vient dans l'est, tout ça, ça rafale dans tous les sens et tout. Faudrait que tu me dises que des... c'est-il. On a des choses à régler, ouais, mais ouais. On devait se parler, je pense, Ghost. On devait se voir là, tu vois. Eh bah vas-y, on t'appelle dans la soirée, déjà on devait voir par rapport à ça, on devait voir par rapport à autre truc. Là, il y a deux mannes de chez moi, ils se sont fait péter avec des calibres à cause de vous êtes venus tirer là. Tu vois? Donc vas-y. À cause de nous? Comment ça à cause de nous? En fait, en gros, vous avez rafalé sur les 18 là. Ouais. Et vas-y, il y avait mes gars, ils avaient la même voiture que vous. Ça veut dire que eux, ils se sont fait contrôler, ils pensaient qu'il y avait rien, tu vois. Au final, ils les ont fouillés, il y a deux calibres. Et t'as vu? Je t'avoue là, ça m'a mis un peu hors de moi, j'ai essayé d'appeler Seb, tu vois, je l'ai pas vu. Mais non là, c'est une petite galère, ouais, t'as capté. Mais après, j'ai envie de te dire, Ghost, pas méchant, hein, mais en vrai, force à toi. Dans le sens où, t'as capté, c'était pas la même voiture, c'était un quiproquo, mais bon, tes gars se sont fait péter, et après, qu'est-ce que je te dise. C'est vrai que nous, on n'est pas chez nous dans l'Est, on avait quelques problèmes à régler justement avec ces fils de pute. Mais ce qui est fait, Après, les deux Glock... moi ça m'aurait cassé les couilles, mais je me serais dit force à mes gars, ils auraient dû être plus vifs. Qui est trop dans la caisse là, hein? Bon allez, au revoir hein. Bon, ça, c'est dans la caisse. C'est parti à gauche. Oh putain! Ah. Oh, ils arrivent! Ça poursuit, ça poursuit! Mais t'es vraiment taré! Bah, tu m'as dit tir! C'est des bloods ça? Vous êtes des bloods? Ouais, non, c'est chez moi! Ah! Tu m'as dit tir, je tire hein! Ouais, non! Non! Tu m'as dit je tire, je t'ai dit go! C'est oui. Toi qui as dit qu'a voulu tirer! Bah, oui, go tirer! Ouais, go tirer quoi! Mais tu m'as dit je tire, t'avais envie de tirer! À vous la gâchette, elle voulait. Mais il a fait le malin avec toi, il aime pas quand tu te manques de respect en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, il faut leur baiser leur mère de toute façon. Retourne le tirer dessus maintenant si t'es pas une salope. Et tu cries east side. East side. Oui, allez, moi il est fait, tu le fais maintenant, c'est ton tour. Vas-y. Allez, c'est parti. Passez-moi le rébla. Donnez-lui le rébla. Donnez-le le rébla. Vas-y, on échange. On échange les shooters, c'est parti. Dans la chop là. Ouais, force à vous. Tu les couches tous, hein? Vas-y, masque-toi. Y'a les cops, hein, faudra faire vite. Et tu cries east side! Ouais. Coucou les Crips! C'est quoi ça? C'est toujours pas les Crips, mais ouais. Mais putain, vous êtes jamais les Crips, ça m'énerve! Ouais, non, moi je suis pas les Crips. Ça va changer quelque chose, c'est ouf, quoi. Pardon. Merde. Oh lolo. Faites attention, ça. Oh putain, désolard. Il a fait exprès, les gars. Il était sur mon téléphone. Ah, téléphone en plus. Pardon. Monsieur, vraiment désolé, vraiment. Pardon. Casse-toi. Pardon. Au revoir. Il a pas fait exprès, hein. Ah. Il a fait exprès. Tu veux une Crips? Tu veux quoi toi? Bah rien! Qu'est-ce qu'il y a? Il est où Ja? Je l'ai pas là, c'est pas le moment là, yo, c'est pas le moment. Tu pleures? C'est pas le moment, ferme-la, ta gueule, y'a pas de pleurs là, ta gueule. Grimpe, grimpe.
Ferme-la, y'a pas de grimpe, c'est pas le moment, je t'ai dit, vas-y bouge. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le moment, je te dis, c'est pas le moment. Mais dites-moi juste ce qui se passe, par favor. S'il te plaît, Miguel, c'est vraiment pas le moment. Quelqu'un est mort? Vraiment, c'est pas le moment, stop. Juste dites-moi ce qui se passe et après il me casse, promis. Tata, elle est morte, c'est tout, c'est fini. Arrête. Putain. Vas-y, stop, c'est pas le moment, vas-y, stop. Non, y'a envie de te faire un câlin. Vas-y, s'il te plaît, Miguel, vas-y, c'est pas le moment, ma gueule. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, il te promet, je suis triste, il te promet, je suis triste, il te promet. Viens, Hermano. C'est pas le moment, yo, je te le dis. Courage. Merci, merci. Courage. Merci, merci. Pourquoi elle est morte, celle-là? Je sais rien, je sais rien. Ces fils de pute, ils viennent là en plus. C'est qui? Miguel. Rejoins tes frères. Non, moi aussi, il aimait bien, Tata. Moi aussi, il aimait bien. Rejoins tes frères, s'il te plaît, Miguel. Hermano, s'il faut venger Tata, il la venge avec vous, hein. Tu peux pas. Pourquoi? Tu peux pas. Tu appartiens à notre famille. Va rejoindre ta mais famille. Mais y'en a rien à foutre. Moi aussi, il aimait bien Tata. Ouais, mais là, c'est des histoires de famille. Tu peux pas. Oui, ben c'est des histoires de famille. Elle avait une grande famille, dont moi, j'étais dedans aussi. Putain. Qui c'est qui l'a tout rare? Le fils de pute que t'as en face de toi là-bas. Et Niners? Et vous allez faire quoi? Vous allez regarder là, rien faire? Qu'on fasse quoi, y'a les flics? Y'a les cops. Et alors, c'est qu'on fasse quoi? Les poyos, ils vont vous arrêter, c'est ça en fait? On peut pas, hein? Tata, à votre place, elle aurait pas fait devant les poyos? Écoute. Ce qui va être fait, ça va être fait. Moi, si ça avait été que moi, là, je devrais tuer tout de suite. Tata, elle aurait pas eu peur des poyos. Tout de suite, ça sert à rien. Elle aurait foncé tête baissée, Tata. Ça sert à rien de me rentrer dans la tête, là, Miguel. Je te le dis, ça sert à rien. Je sais plus c'est qui, Tata. Rien de me rentrer dans la tête. Moi, j'attends. Est-ce que j'ai qu'une envie là, c'est de fumer tous? J'ai qu'une envie là, c'est d'y aller et directement tous. Tu devrais, oui, tu devrais. C'est ce que tu devrais, frère. C'est tout ce que je veux faire. Elle te regarde de là-haut et c'est ce qu'elle t'implore de faire. Bonjour, monsieur le Poyos. Vous aider? Non, tout va bien, pourquoi? J'étais juste derrière là-bas, je vous observais un peu de loin, j'ai cru voir quelque chose qui me plaisait. Oui, il a fait un gros doigt d'honneur au mec d'en face. Ouais. Allez, au revoir. Ouais. Vous à l'œil, hein? Oui. Tiens, je te refais un câlin. Allez, ça va, allez, courage. Tout est grand. Elle te regarde de là-haut, elle voudrait pas que tu pleures comme un mange merde. Elle voudrait que tu la tires dessus. Je sais pas ce qu'elle voudrait. Je sais pas ce qu'elle voudrait, manger ce que je veux. Couverte. Moi j'ai qu'une envie là. Tu sais ce qu'elle aurait dit, Tata? Elle aurait dit t'attaquer, oh. Je crois un truc comme ça. Ça veut dire quoi ça? Non, l'attaque des titans, ça veut dire attaque. Mais non, ça veut dire je peux me battre, ça veut dire attaque. T'attaquer. Elle aurait dit ça, Tata. C'est à cause de son fils tout ça. Oui. À cause de son fils tout ça. Shinzo Sasageyo, hermano! C'est quoi? Oui! Attends, j'arrive. Je sais pas ce qui est parti faire. Ja, enculé! Enculé, Ja! Eh, Miguel, taille-toi, c'est pas le moment. Taille-toi, vas-y, taille-toi. C'est vraiment pas le moment, taille-toi. Ah oui, c'est vrai. Pardonne. Pardonne, Ja, ça va? Ouais, tranquille. Désolé pour Tata. Taille-toi. Moi aussi. Vraiment pas le moment de m'énerver. Non, vraiment. Moi aussi, je l'aimais bien et te présente mes sincères condoléances. Monsieur, vous circulez, stop. Allez, on arrête. Messieurs, calmez-vous s'il vous plaît. Bon, ça a l'air d'être un discours de paix, ça va quand même. Discours de paix, mais ça s'insulte dans tous les sens. Il a dit mes condoléances. Excusez-moi, monsieur, oui. Vous pouvez mettre votre voiture ailleurs? Oui, pardon. Pour pas gêner les gars. Oui, pardon. Merci, monsieur. C'est pour moi ça, les Bloods? Je crois que c'était pour moi les Bloods. Oh mon dieu, c'est pour moi. Oh, alhamdoulilah! Oh, le gars, il m'a sauvé la vie! Ah, c'est pour moi! Connard, ta voiture de merde. On a pas besoin d'être dans la mêlée. Feunso!
Hermano, saute, toi un chewing-gum. Non mais c'est Kuma. Attends, mais toi une poyose toi. Ah, j'ai un keuf. Pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que j'aime bien. Mais toi t'es pas une poyose à la base. Ah oui, je suis un poyose. Non, toi avais une perso avec les drogues et tout là. Ouais, ça y est, genre tu fatigues. Mais je comprends plus rien, tu as arrêté. Oui. Pourquoi? Je t'avais dit les problèmes. Ah merde. Bah force à toi. Merci. Y'a les Bloods, ils veulent me niquer, regarde, ils sont dans la voiture et ils vont me poursuivre, regarde bien. Ah, c'est parti pour faire une petite zone toute seule, comme un grand. T'as vu, c'est trop marrant. Regarde, ils sont derrière moi. Je te l'avais dit, ils me cherchent. Avance, c'est quoi? Aïe, rentre pas dedans. Parce que je vais leur tirer dessus, je pense. La tête de ma mère. Attention, pardonne. Tous les jours, je suis là tous les jours. C'est un tous les jours. L'un amour. Je rentre cagoulé dans la maison. J'envoie un son qui fait bouger ton club. Ça y est, tu les as mis dans le vent. Bah, je crois que, vu qu'il roulait doucement, ils ont cru qu'il leur faisait un guet-apens. Ah, tu leur as fait un reverse. Ils ont eu peur de toi. Oui, il a fait un coup de bluff. C'est qui ça, ta mère? Attention à toi, tu vas bientôt canner, hein. Ah oui, pourquoi? T'es grand ennemi de la ville, j'ai l'impression. Oui, je sais. Déjà, enculé, mais désolé encore pour Tata, vraiment, ça me fait chier. Parle bien, là, vraiment, parle bien, je t'arrache ta gueule maintenant. Miguel, mon gars, bouge de la vidéo, s'il te plaît. Miguel, mon gars, vas-y, je peux t'aider ou pas? Non, vraiment, déjà, je te propose une trêve le temps du deuil, parce que même moi, il aimait bien, je te promets, c'est vrai. Alors arrête de parler mal, t'as vu, fais le respect par ici, maintenant. Oui, respect pour elle, mais après, pour toi, tu restes toujours un enculé, tu comprends? Et dernière fois, t'as pris mon... Quand je parle pas trop fort à des keufs. C'est bon, la dernière fois, c'est ce qui s'est passé, alors ne pas chier, t'as vu? Il me rappelle plus qu'est-ce qui s'est passé. Miguel. Yo, Miguel. Calcule pas. Bref, allez niquer la grand-mère aux Niners. On y va ou pas? Allez, les Hermano. Vite, on y va maintenant, vite, vas-y. C'est qui est? Je te dirai pas, je suis pas une balance. Ah, je suis comme Google, les gars, c'est du même temps. Les keufs, les gars, les keufs sont à l'affût, t'es mort. Allez niquer les Niners, allez niquer les Niners. Les couilles, ils sont même plus là. Là, je te fais pas un concert. Coucou Miguel. Oh, tu veux écouter ma musique? Vas-y. Enfin, en fait, je la lis, je veux pas leak. Vas-y. Mais en gros, là, ça va c'est être nul, le refrain. C'est nul. Soyez rassurés, Miguel n'a peur de rien. Entre deux inters, il prend même 2-3 petits coups de rein. Soyez rassurés, Miguel éteint le feu. Et entre deux inters. Non, mais fais le flow au moins. Fais au moins le flow. Pas, il veut faire du slam. Elle sort vendredi. Mais fais le petit flow au moins, le petit air. Non, faut que je me rappelle de l'instru, je me rappelle même pas. Mais non, mais le petit air. Non! Fais du beatbox, vas-y. Poum tch, poum 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 tch. Poum tch. Soyez rassurés, Miguel n'a peur de rien. Poum tch, poum poum tch. Il prend même de 3 petits coups de rein. Soyez rassurés. Miguel est en feu. Il est entre deux enfers. Il se fait même de 3 grosses bulles de rouge. Sapeur pompier, c'est trop officiel. Sacré pompeur, c'est ce qui se passe au fond de la rue. Miguel, sacré pompier, c'est pourquoi tu m'appelles. Sacré pompeur, c'est pourquoi ton logis Marcel. C'était le pré-refrain, le refrain. Okay. En vrai, il y a un truc, hein. Quoi? Non, mais tu vas voir, elle mixée et tout, ça va péter sa mère. C'est bien. C'est qui toi, madame? Bah, c'est Leïla. Moi, c'est Neyma. Neyma? Leïla. Non, Leïla, avec un L. Tu es qui, toi? Leïla. Bah, oui, mais ok, Leïla. D'accord, mais pourquoi il était jamais vu? Mais je sais pas, on n'a pas eu le temps de se croiser, peut-être. Oui, c'est vrai, c'est ta copine, Miguel. Tu es devenu hétéro? Ouais. Mais non. Non. Mais, je peux te la présenter, si tu veux. Bah non, par contre, quel âge, toi? Moi? Oui. Ouais. Moi, il est 24, 23. Il sait même pas son âge, le con. Oui, mais pour que le temps il passe vite et des fois il oublie de compter. Oui, tu fêtes pas ton anniversaire, bien sûr. Non, pas trop. Toi, tu le fêtes, ouais. Toi? Ça sert à rien. Bah de oui, fêter. J'aime bien entre copines. Tu as quel âge, toi? Tu as 33? Non, j'ai 25. Ah oui, on dirait que tu es plus vieille. Je suis vieille. J'avoue, t'as des rides et tout sur le front.
Ah écoutez, je suis trop stressée en ce moment, donc... Pourquoi? Des problèmes personnels et tout. Laisse tomber. En tout cas, très jolie ta voiture. Hein. Assieds-toi dessus, connard. Toute mignonne. Merci, tu vois, tu aimes bien? Ouais, je kiffe la couleur. C'est vrai? Et les néons en dessous. Mais wow, toi, tu travailles dans quoi? Tu es une chômeuse? Bah, pour l'instant, ouais. Moi, je suis le lieutenant des pompiers. Oui, j'ai vu, tu étais très très mignon dans ta petite tenue de pompier. Ah, de pompier. Merci. Ça t'allait très bien. C'est un métier, je suis là. Hein. Non, c'est bon, merci, merci. Ça fait plaisir. Ouais, de rien, de rien. D'accord, eh ben super. Eh ben, enchantard, Leïla, et continue à et être toi, ce que tu es. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Miguel. Ah, Miguel, ok. Oui, ouais, Miguel. Miguel, racontez. Racontez, ok. Ça oui, dégage, Miguel, dégage d'ici. Two and Bloods ça, mais... Dégage d'ici. Non, c'est pour Tata que tu es triste. Dégage d'ici, Miguel. Non, mais moi aussi, il aimait bien Tata. Je peux te dire un mot? T'as déjà causé assez de mal ici. Mais c'est pas à cause de moi qu'elle est morte, Tata. Eh, mon pote. Oui. T'as tiré sur deux de nos gosses, toi. Oui, c'est vrai. Mais. C'est comment là? Mais parce que Ghost, il m'a dit tire. Je fais quoi? Je sors mon gun, je te rafale devant l'hôpital là maintenant tout de suite. Mais là, tout le monde. Ghost, il m'a dit tire. Eh, parle pas avec moi, Miguel. Parle pas avec moi. Mais c'est vrai, tu veux voir le message? Regarde. C'est qui, Ghost? C'est qui ce fils de. Mais le réfé des où? Mais tu t'écoutes les où maintenant, toi? Ben non, mais il était avec moi. Et en gros, il m'a dit tire. Tu pars en couille, Miguel, tu pars en couille. Enfin bref, reste-moi ici. Est-ce que vous voulez me tuer? Vous voulez juste me niquer un peu? À ton avis, mon pote. Je sais pas. Réfléchis bien. Vous voulez juste me niquer un peu parce que je suis attachant quand même, non? Je pense. T'as tiré sur Seven, mon pote. T'as merdé. Oui, mais du coup, vous voulez me tuer ou vous voulez juste me niquer un peu? Je sais pas, mon gars. Oui, oui, Lion, t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien. Viens quartier, allez, Jamaïca. Y arrive. Elle est où ma voiture, la putain? Parce que si jamais vous voulez me tuer, tu vois, je vais rester un peu plus discret. Franchement, bouge d'ici, gros. D'accord, eh ben, je vais considérer que vous voulez pas me tuer et continuer à faire ma petite vie, d'accord? Vas-y. Tu veux que tu déposes quelque part? Non, mon gars, je monte pas avec toi. T'es sûr? Dépose-moi à Northwood. D'accord, viens. Grimpez. Non, hey, pep, toi tu vas me braquer après, tu vas me niquer ma mère. Je vais pas te braquer mon pote, je sais pas que ça va faire. Mais... Promis. Ok, ben, grimpe alors. Bonjour. C'est bon, grimpe. Oh, t'es en dépression, Oscar, que se passe-t-il? Monte devant. Tout à l'heure, on voulait te parler, c'est pas le moment. Oscar, Oscar. Vas-y, viens avec moi, Dubois, monte avec lui. Ah, c'est pas le moment. Non, vous allez me niquer, vous allez me faire un guet-apens. Tu crois que c'est bon? On sent pas les couilles, madame Cressé va mourir. Je monte. Oui, vas-y, monte, grimpe, Miguel, au moins tu me défends. Moi, je suis en train de vous. Si jamais il m'attaque, tu les suces, d'accord? Ouais, t'inquiète, c'est une attaque surprise. Ça enlève 30 PV. Il a pris pour Tata, mais moi il aimait bien, je te promets. Je connais pas, tu la connais pas, arrête de mentir. Je te jure, je la connaissais. Je t'invente une vie. Mais je te jure, je la connaissais, j'ai appelé Tata, Miguel, la vie de ma mère. Miguel, ouais. Miguel, ah. tu vois qu'on est en difficulté, que notre tante elle est morte. Et t'es là, tu tires sur nos gars. Non, pour de vrai, je savais pas avant que de vous tirer dessus. Sinon, il aurait pas tiré aujourd'hui, je te promets, c'est vrai. Hermano, je te promets. C'est comme ça. S'il y avait su. Je te jure. Enlève ton sourire. Je souris pas, vraiment. Je te promets, premièrement. Ça va aller, Scar. Vas-y, lâche-moi, toi. Ça y est, enlève ton bras, toi. Tu vois pas, je vois pas le pare-brise. Premièrement, écoute. Premièrement, Tata, vraiment, il aimait bien. Premier degré. Et ensuite, deuxième. Faux cul. Non, je crois pas. C'est la moto, je pense. Et deuxièmement, s'il y avait su, il aurait pas tiré. Il aurait respecté le deuil. Je te promets, c'est vrai. Hein. Pourquoi tu tires? Ben, Ghost, il m'a dit de vous tirer dessus. C'est qui, Ghost? Le RFD est où? Pourquoi tu l'écoutes même ce fils de pute là? Bah pourquoi tu l'écoutes? Ouais, il side. T'as vu Miguel, viens on parle. Oui. Je te parle sérieux. Hein. Oui. En fait arrête de nous tirer dessus parce que à un moment, ça accumule. Oui. Tu sais que t'as détruit, tu sais combien de voitures t'as détruit? Tu sais combien de sous ça a coûté? Combien? T'as vu ta voiture a coûté combien? 22 000? Oui. Je suis niqué plus de 100 000 dollars dans le quartier. Mais c'est normal, c'est pas ta faute à toi, c'est non. La faute à Seven. Non, mon gars, après tu tires, après tu retires. Eh, tu sais que Miguel, la vie de ma mère. Tu plantes White ou Five, tu fais n'importe quoi, Miguel. Tu fais n'importe quoi. T'es mignon, t'es un gangster, t'es je sais pas, je m'en bats les couilles, t'es qui. Mais, une balle,
quand elle va t'arriver dessus, mon gars, tu vas pas te relever. Mais c'est vrai, mais parce que moi, Seven, il lui a dit, il veut faire exploser vos voitures. Et au lieu de me dire, non, désolé, Miguel, c'est bon, c'est vrai, on a explosé ta voiture pour rien. Tu vois, lui, il a fait, ah, tu vas rien faire, petite salope et mais tout. En soi, on l'a pas explosé pour rien. Pourquoi tu te gares au quartier? Tu le cherches. Mais c'est toi, tu m'as dit, dépose-moi ici. C'est moi, je l'ai juste. Non, mais je te parle de la dernière fois. Pourquoi mais parce qu'on était parti tirer sur l'éclipse. Oui, donc t'es venu dans le quartier, t'as garé ta voiture et t'es parti en courant. Oui, c'est vrai. Et bref. Arrête de tirer parce que Miguel, ça va tu vas régler tes comptes avec Seven, descends de la voiture. Non, hé hey. T'es sérieux toi mais il te tire dessus aussi. Descends. Il te tire aussi. Arrête de vous tirer dessus, arrêtez. Miguel, descend de cette voiture. Il descend pas de la voiture. Miguel, descend de cette voiture. Miguel, descend de cette voiture. Il descend pas. Capitaine, je peux pas te sortir mon frère contre toi. Hey, reste pas ici, Ace. Hey, capitaine, j'ai pas envie. Je vais monter dans ma voiture et me casser. Range ton arme, Miguel. Non. Miguel, mon voilà. Pote, on va discuter. Non, on va pas discuter, il te dépose au quartier et toi, c'est comme ça que tu me remercies. Connard. On va discuter. Non, Miguel, regarde les balcons. Il t'encule, toi et tes balcons. Fais pas le con. Fais pas le con. Si tu me rafales, je rafale. Miguel, je vais remonter dans ma voiture et me casser. Miguel, j'appelle. Miguel, baisse ta putain d'arme. Je la baisse pas. Tu veux que je me sorte, Miguel ou pas? Miguel, baisse ta putain d'arme. Je la baisse pas. Miguel, baisse ton arme. Je vois que le pistolet ne. Ok. Je vais remonter dans ma voiture et partir. Scar, doucement. Vous avez trouvé un terrain d'arrangement. Scar, calme-toi, je suis pas Simba. Madame Grace, putain. Je suis pas Simba, Scar. J'ai rien à voir avec Madame Grace, moi. Tu crois que Madame Grace serait contente de te voir comme ça? Et Miguel, pareil. Non, d'abord il baisse parce que moi je veux pas le tirer dessus. Donc d'abord lui. Baissez vos armes, tous les deux. On baisse à 3. 1, 2, 3. Ok, parfait. Au revoir. Personne ne tire sur personne ce soir. On t'aura, Miguel. Connard! Espèce de gros connard! Arrête, tu as joué sur ma confiance, gros Miguel, menteur! Connard! Pourquoi tu l'as pas sucé? Mais parce que il avait son pistolet dans les mains. Et alors, on avait. J'ai sucé le canon. Hein? Oui. On avait dit si il m'attaque, tu suces! Mais oui, non, mais là, il y avait trop d'attaques. Putain. Ouais, non mais Lion, t'as vu comme ils ont niqué le quartier? Ils habitent là les Niners maintenant. Ouais, je sais. Je suis dégoûté. Ils ont tué la daronne de 7. Putain, écoutez les gars, rentrons chez nous les gars. Lion, je suis deg. Fais attention, Miguel. Tu vois, il aimait bien venir ici pour que tu vois les gens ici, c'était pas trop des rois des putas. Et maintenant il y a les Niners. C'est dommage. Dose Miguel. Espèce d'enfoiré. Lion. Ouais, je t'écoute. Ça casse les coronets, on veut pas les chassards. Hein? On peut pas les chasser? Les 300... Ils ont tué la daronne au 306. Ouais. Regarde, les 306 ils passent là. Ils s'en prennent à des daronnes. Regarde, ils s'en battent les couilles. Regarde. Mais c'est normal. Plus personne ne veut avoir affaire avec eux. Ils cassent les coronets. Ils sont insupportables. Tout le monde vous déteste. Personne ne vous aime, les Niners. Je suis grave heureux d'être encore là. Personne ne vous aime, les Niners. On vous déteste tous. Personne. Ni la police, ni les gangs. Mais tout le monde vous déteste. Allez vous faire enculer. Va te faire enculer toi aussi. Tu vois, c'est ça leur problème. À l'automatique. C'est les Niners. Miguel. Oui. Miguel, qui c'est qui a tiré là? Les Niners, ils ont tiré à l'automatique sur moi. Ah ouais? Oui, pour rien, je te promets, pour rien. Oui, il y avait bien, il y avait bien. Je vais leur baiser leur mère, ces fils de pute là. Ils prennent la caserne, là, je sais pas, ils se prennent pour qui là? Eh, hey, ils m'ont tiré dessus avec un automatique, je suis choqué. Les Hermano, je vous jure, vous voulez qu'on fasse une alliance contre les Niners? Quelle alliance? Y'a pas d'alliance, mon pote. Blood, Crips, on fait la Trinité, 18 contre les Niners. On les tue tous. Comment ça, la Trinité? La trinité des gangs! Qu'est-ce que tu veux qu'on se ramène à 8 là? On les rafale dans le tas. À 43! On les tue tous! Des gangs pour abattre les Niners. Pour la East Side! Tu vois, on est un peu comme Eric Zemmour, on renvoie les Niners chez eux! Ils ont touché à la daronne, hein! Ils ont touché à la daronne! Mais Hermano, en plus, bah oui, en plus c'est une daronne en commun! Et moi aussi, nous on l'aimait bien, nous aussi! Les Hermano, la East Side et la West Side s'unissent pour renvoyer les Niners dans le Bronx! C'est bon, on fait quoi? C'est bon, t'es dans la voiture? Je suis là. Écoute ma gueule, ça va être simple hein. Non, je sais pas là, j'arrive pas encore à réaliser ce qui se passe hein.
me dis que soit je suis devenu fou. Ah mais gros, gros, y a trop de là, là, ce qui parlait les Niners, ils veulent rester ici, ils veulent prendre le quartier net dans un autre habit. Les H-Block, les H-Block, écoutez-moi, les H-Block, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus là, frère. On les a taillés chez eux, enfin chez nous plutôt. On les a virés. Donc La Yod, on est en train de conspirer. Viens, viens, garde-toi, garde-toi. Non, mais là, ils m'ont tiré dessus à l'auto, là. Là, j'ai une chance, là. On est en train de conspirer, on va faire une alliance East Side, West Side contre les Niners pour les renvoyer dans le monde. Non, 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 pas ça. Écoutez-moi, les frères, c'est parti. Mais tout le monde les déteste, tout le monde les déteste, personne ne les aime, les Niners. On fait plus qu'un. Eh ben, si tout le monde leur fait la guerre, ben, ils vont rien pouvoir faire. Eh, les gars, mentalité, chacun fait son côté. Si chacun, tous les jours, leur fait la guerre, ils vont rien faire. D'accord, eh ben, on fait une trêve entre nous et on se focus sur la guerre. Non, 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 les gars, c'est normal de faire des trêves devant le quartier de Johnson là. Attends, mais sur la moto c'est le Crips. Sur la moto c'est le Crips. C'est qui court là-bas là, au terrain de basket là? C'est qui? Je sais pas, mais je crois que c'est eux. Allez, allez, attends. Ils m'ont tiré à l'automatique. Bah vas-y, viens, viens, vas-y, roule. Allez, les shoots, allez, les shoots. Frérot, ça m'a tiré à l'automatique. Le mec, il a reculé ma voiture, je l'ai écrasé. Ça m'a tiré à l'automatique. Y'a pas l'air, hein. Non, vas-y, viens, on retourne à l'ouest ou quoi? Mais attends. Vas-y, reste au téléphone avec moi, ok? Oui, oui, oui. Quand tu vois quelque chose, tu me dis, et moi quand je vois quelque chose, je te le dis. Vas-y, c'est bon. Reste au téléphone. Là, ils sont là, ils sont là. Ah, tu les vois? Reviens, reviens. Reviens, Miguel. Ils sont où? Ils vont nous arrêter. Ils sont où? Oh, devant leur quartier. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. On se fait chasser, on se fait chasser. Allez, dans Bronx. Ah, faut que vous alliez pour que mettre la grenade, hein. Faut qu'on s'arrête, faut qu'on s'arrête, faut qu'on s'arrête. Attends, attends, mais là je suis devant chez eux, je suis devant chez eux. Vas-y, va devant chez eux, va devant chez eux. On arrive chez eux, devant chez eux. Ok, tu t'arrêtes et quand ils jettent la grenade, faut que tu partes parce que sinon tu vas exploser aussi, hein. Ok. Attends. T'es où, Miguel? Devant chez eux, devant chez eux. Je suis devant chez eux. Mais non, là, je suis devant le parking. Oui, là. Là, 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 regarde, je suis là. Attends, 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 ici. Bah, ils vous chassent pas? Non, si, 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 si. Il y avait Rebla et la moto. La moto derrière, la moto derrière. Ils arrivent. Regarde derrière toi, toi. Soyez, soyez vifs, hein, quand il y avait Jotard. Bougez plus, je vous allume. Elle a pas pété? Non mais sérieux quoi. Personne. Putain mais elle a pas pétard. Mais il est bien mis pour le temps. Ouais mais viens avec nous Miguel. Ils sont au pont là, ils vont essayer de nous chasser, t'as vu combien ils sont? Il y en a deux qui ont été touchés par la grenade. Ah oui? Ah, c'est, je crois, la moto. C'est juste la voiture qui a pas explosé. Mais j'ai vu deux personnes se faire toucher, après moi j'étais loin moi Miguel. Oui oh, radios, mon frère hein. Attends il est là. Merde, il est à la part. Attends, on arrive au quartier, les shooters ils arrivent, moi je vais leur passer le calibre. Et vas-y, je vais régler l'histoire. Ils m'ont tiré à l'auto à moi. La dernière fois, ils me menacent de mort. Là, ils me tirent à l'auto. La première, ça part en couille. Il m'en reste que deux. Merde, il me reste que deux cocktails par contre. Si tu veux pas l'utiliser, l'utilise pas. Moi, je vais aller avec l'arme à feu là. C'est bon, il prend en cas où c'est gratuit. Hein. Prends, prends. Arrive au quartier. Mais tu veux pas qu'on fasse ça demain par contre? Tu veux faire ça demain? Bah, je sais pas, c'est une question. Non, 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 non. En gros, t'as vu? T'as subi des balles toi? Ils m'ont pas touché. Ils m'ont tiré dessus. Moi aussi, ils m'ont tiré dessus. J'ai subi des balles, mais je peux aller là. On est là, on est là, on est là. Ouais. Vas-y, au pire, Miguel, tu fais. Tu fais le gay là-bas et tu me dis. Vas-y. Bébéto, vas-y, va te calibrer. Et les gars, là, attends. Terminé. Pablo, allez ranger vos calibres. Miguel, il a un calibre. Bébéto, prend un calibre. Et les deux autres. Après, oublie pas que c'est des fous furieux des. Du tir, hein. C'est pas grave, toi.
300 pistes, c'est rien ça. J'ai pas peur d'eux, moi. Miguel. Y'a plus les voitures chez eux. Prenez. Faut ça, il arrive ou pas? Ben vas-y, les trois plus plus Miguel, ça fait quatre. Vas-y, les trois là. Pablo, ah, garde-les. Il les voit, mais ils ont peur de moi. Ils sont vers où? Bronx. Mais ils ont peur de moi là, ils fuient alors que je suis tout seul. C'est des petites chaînes. Ah, tu fais quoi là? Vas-y, on arrive au Bronx. Les gars, Bronx. Non, je conduis moi si tu veux. Mais moi, terminé, tu veux pas conduire toi? Prends, j'ai trop de clés là. Prends toutes les clés que j'ai sur moi, je sais pas. Ils ont une auto en face, t'as... quelqu'un a pris une auto chez nous ou pas? Vas-y, ok. Il remonte au niveau du pont des Bloods. Vas-y. Non, on prend qu'une seule voiture. Mais c'est bon, non, Miguel il a une arme, Pablo il a une arme, Bebeto il a une arme, et ben vas-y, Pablo monte dans la voiture là, il nous faut la Glendale. Il les suit mais c'est dur avec ma voiture hein. Ouais, j'arrive. On est au Central Park. Vas-y, conduis toi. À part que tu veux que je conduis moi, vas-y laisse-moi je conduis moi, mais reste avec moi. Ils vont me ramener dans un guet-apens, hermano. Les suis pas trop. Il les suit. On y va. Il faut un troisième là, les gars. Je sais pas pourquoi tu l'as fait, mon. Central Park. T'es où là, Miguel? Attends, c'est bon. Merde. Ils m'ont tiré dessus, il y a plus de cocktail. Par contre. Tu leur as tiré les cocktails, toi? T'es vers où? Donne-moi la position, s'il te plaît. Je suis touché! Aïe! Ah merde! Putain, ils ont touché Miguel. Miguel? Dis-moi, t'es vers où, putain? Va mourir par les Niners quand même, Miguel! Non, il meurt pas, mais. T'es vers où? Appelez un médecin, s'il vous plaît. Comment ça, appeler Perry? S'il vous plaît. Médecin vas-y, disponible, allez, s'il vous plaît, à l'accueil. Ah, je vais mourir. On arrive. Individu blessé par balle. Niners, quand même. Bon. Et voilà. Devant la porte. Je suis mort. Non, t'es pas mort. Mais non, tu t'inquiètes pas. Après avoir combattu le MS-13, les Families, les Ballas, Miguel racontait s'éteindra sous les balles des Niners. Jamais de la vie, Miguel. Tiens bon. Oh merde, c'est le keuf bon. Oh non. Allez. Ne mords pas. Comment ça, j'ai touché? Ouais, probablement, je pense que j'ai touché, donc ils sont probablement blessés. Médecin disponible en salle de numéro 2. Je vous pose là. King et vous allez résoudre King. Hop là, okay. Tiens. Je vous mets sur la table. Médecin disponible, j'arrive. Oui, allez-y. Elle est où, Miara? Je sais pas c'est qui celle-là. Je veux Miara! Putain. Laissez-moi passer. T'es où, Miguel? Quoi? Je révolte. Miguel! Papa! Maman! N'entrez pas. Non, Miguel, attends, laisse-moi. Vous m'aviez tellement manqué. Faites-moi un câlin. Je te fais câlin, Miguel. Je te fais câlin. Oui, mais après, vous sortez, s'il vous plaît. On est frères de maillot, Miguel. Sortez, monsieur, s'il vous plaît, sortez. Attends. Sinon, il va mourir, vous comprenez pas? Mais non, il va pas mourir, il va réussir à survivre. C'est ce qu'il m'a dit, Miguel. Il va mourir, il est à l'hôpital, donc ça va bien se passer. Miguel, tu vas survivre, ok? Oui, Vertugo. Non, là, on perd du temps, j'ai besoin de sommeil. Depuis tout à l'heure, il parle qu'il a combattu le MS-13, tout ça. Vous inquiétez pas, monsieur, je vais bien m'occuper de vous. Non, vous pourriez faire, je suis mort. C'est sûr. Non, c'est pas mort, monsieur. Si, je suis mort, c'est sûr. Allez, je vais vous aider à vous allonger, monsieur.
Oui. Si la... c'est passé, racontez-moi tout si vous la position des manches. On m'a tiré dessus. Mais non, mais non. Mais si, on m'a tiré dessus. Oui, on vous a tiré dessus, ok. Oui. Mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On m'a tiré dessus jusqu'à la mort. On vous a tiré où, monsieur? On m'a tiré. Avec votre maillot, je ne vois pas trop là. On m'a tiré à la mort. Monsieur, soyez plus explicite, s'il vous plaît. J'en sais rien, on m'a tiré. Okay. Je vais me changer, j'arrive. Je vais mettre une tenue. Elle est où, Miara? Je sais pas qui c'est. Mais pourquoi ils savent jamais c'est qui Miara, frère? Elle s'appelle Miara, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, capitaine. S'il vous plaît, capitaine. Un câlin de loin. Mais vous vous rappelez pas quand on vous a sauvé la vie dans mon quartier? À distance. Ah, quand même, moi. Un câlin à distance. Miguel. Ne touche pas, ça se trouve, tu vas lui niquer ses plaies, tu vas lui. Miguel. Tu vas lui infecter. Oui, Vertigo. Il t'a rejoué, Vertigo. Oh non, c'est pas Vertigo là. Il t'a rejoué, Vertigo. C'est pas Vertigo, putain. Si, Vertigo, c'est toi. Non, Miguel. Pardon, il est pas fini, refait des vagos comme tu l'aurais voulu. Je suis un loser. Merde. Miguel, t'inquiète pas. Oui, Vertigo. Allez, monsieur, c'est bon. Y arrive. Allez, monsieur, c'est bon. Vertigo, il meurt. Allez, c'est bon. Putain. Putain, Miguel. Allez. Gros parfait. Fils de pute, toi. Toi, t'as vu, oh, toi, capitaine. T'as vu, toi? Oui. Tu me tires dessus à l'autre. Comment il s'appelait son ancien perso, lui? C'est ça, capitaine. Monsieur, est-ce que vous pouvez attendre à l'extérieur, ouais, s'il vous plaît? Ouais. Merci. Est-ce que vous pouvez, quand vous séparerez ces, bonjour, affaires de 06. Lui, me les mettre... Oui, je vais sécuriser, vous inquiétez pas. 06. Nickel, vous pouvez me les mettre à côté, histoire que je puisse fouiller dans ces affaires vite fait. 06. Sauve-moi. T'inquiète pas, c'est Bagdad, donnez prix. Marco. Donne-moi un rendez-vous, les gars. Donne-moi un rendez-vous là maintenant. Marco, tu m'avais tellement manqué, Marco. C'est toi qui fuyais, sale pute. Non, sortez, vous pouvez sortir de la pièce, s'il vous plaît, monsieur. Honnêtement, monsieur, s'il vous plaît, vous n'avez pas été dans les plans en plus. Je dépose vite fait l'arme. Bonjour, madame. Dites-moi qu'il va survivre quand même. J'aurais pas, oui, bah oui, oui. Il est dans le meilleur hôpital. Non, pas... c'est sûr, je suis mort. Non. Si, si. Oui. Il va survivre. Non, je suis mort. Il va survivre, t'inquiète pas. Non, je suis mort. Attendez, monsieur. Non, 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 non. Calmez-vous, calmez-vous. Non, 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 non. Vous avez besoin d'un coup de main ou... Oui, oui, aidez-moi à le maintenir, s'il vous plaît. Ouais, je vais le tenir, je vais le tenir. Tenez-lui les jambes. Je mords. Je mords. Non, non, non. Mais non, mais non, t'inquiète pas, la lumière bleue. Viens, la lumière bleue. Oui, la lumière bleue. Allez, bref. Allez. Quand même pas mourir de la main des Niners, quand même. Non, pas ces cabrons. Je suis mort de la main des poyons, je crois, par derrière. Non, 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 non. Non, vraiment pas, j'ai pas ouvert le feu avant que tu t'en. Depuis petit, on bracine. Faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs. Ils veulent ma peau, mais non pas, ils les couilles de me chasser.